Je sais pas si je l'ai dit, fait que je vous le redis. Eh ben, juste ici. Est-ce qu'on bouge les chiens? Tam 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 tam. Donc, c'est ça. Ce matin, j'ai édité mon vlog. Pendant la sieste des bains. Là, je vais comme le réécouter en background pour être sûr que tout est correct. Puis. Fait que c'est pour ça que je me suis mis ici pour pouvoir jouer avec un petit peu. Puis, alors que j'essaie de donner les pilules à mon chien pour sa tête, mais checker ça. Ok, moi, mon chien, premièrement, il est difficile à faire manger dans la vie, tout court. Puis, des pilules, là, il aime vraiment pas ça. Tu sais, c'est pas un gourmand, là. Tu sais, il mange pas n'importe quoi dans la vie. Là. Fait que là, j'ai aucune idée comment je vais faire. Je sais pas si je les ai enfoncés. Ah! Oh! Je pense que je vais les enfoncer dans du fromage. Parce que mon chien, son aliment préféré dans la vie, c'est le fromage. J'essaie de vous l'ouvrir pour vous montrer comment elles sont grosses. Je sais pas si vous pouvez voir. En tout cas, faut qu'ils prennent un demi-comprimé de ça matin et soir. Puis un comprimé par jour de ça. Même un humain, il avalerait pas ça. Regardez ça comment c'est gros. Tout va bien. C'est énorme. Ouais, en tout cas. Faut que je pense que je vais lui donner un morceau de fromage, puis je vais lui donner ça. À part de ça, moi, il faudrait que je m'habille. Mais Mathieu dort encore. Fait que je peux le déranger, là, malgré qu'il est assez tard. Il est quoi? Ouais, 9h30. Je pourrais aller le réveiller puis m'habiller. Puis planning la journée comme d'hab. Hein. On va faire du ménage. Ah, la, 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 la. Ray. Eva s'est levée à 5h30 ce matin. Fait que c'était assez matinal. Mais hier soir, après ma fondue, j'ai tellement tombé fatiguée que c'était correct là. Et je me suis couchée vraiment tôt. Genre, j'ai tombé paf sur le divan. Puis il n'y avait plus de son, plus d'image. Fait que j'ai vraiment bien dormi. Fait que à matin, quand elle s'est levée à 5h30, j'ai checké l'heure. Puis j'étais comme en forme. Là. Fait que je me suis levée. Puis c'était bien correct. Hein? Mmh. Puis là, elle a fait une sieste, fait qu'elle vient de se réveiller, fait que hyper de bonne humeur. Ben, on va jouer là. Fait que je vais jouer un peu avec ma fille, puis après, après on verra là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bon chien. Mmh.
Bon dimanche matin. Il est 10h. Nous, on est réveillés ici depuis 7h30. Puis, ça a été. Hier, c'est ça, j'ai pas vlogué ben. Dans le fond, ma fin de semaine est vraiment pas palpitante, je travaille. Fait que, c'est ça, je règle comme tout mon site internet pour pouvoir le lancer ce soir. Fait que mon vlog sera vraiment pas palpitant. Finalement, c'est ça. Hier, j'ai travaillé de 1 à 5. Puis, on a décidé de se commander du resto. Fait qu'on a commandé de la face de bœuf, qui est un restaurant dans ma ville. Puis, j'étais tellement fatiguée que, genre, j'ai mangé une pointe. Puis, genre, après, on a écouté Harry Potter bien tranquille. Puis, après, on est allé se coucher. C'était vraiment pas intéressant. Même chose aujourd'hui, je veux comme clencher tout mon site internet. Encore, je suis fatiguante avec ça, là, mais je ne vis que pour ça en ce moment. Fait que là, je veux vraiment le finir pour laisser ça derrière moi parce que j'ai quand même une autre to-do à accomplir à côté. Là. Je veux pas. Puis j'ai comme tout laissé tomber mes autres tâches pour ce site internet-là. Fait que c'est ça, j'aimerais ça le lancer ce soir. Fait que aujourd'hui j'ai demandé à Mathieu qui s'occupe le plus possible des verres, puis moi je veux vraiment travailler. Fait que c'est pour ça que je vous parle pas beaucoup parce que je suis concentrée là, je veux dire je travaille là, je peux pas. Puis tu sais comment que je vous filmerai toute ma journée à l'ordi, c'est pas full intéressant. Mais bon, j'ai essayé quand même de vous parler un petit peu là. Mon vlog week-end il va être très très court et très tranquille. Mais j'ai dit que je le ferais, fait que je vais le faire jusqu'au bout. Fait que c'est ça, là, je vais me préparer un petit peu, juste pour me motiver à faire ma journée, parce que là, j'étais vraiment de patate sur le divan. Fait que c'est ça, le plan de match aujourd'hui, c'est plate, hein. Puis au travers, je vais finaliser mon lavage. Puis, tu sais, c'est un petit dimanche tranquille, on est encore en confinement. On est toujours 12 sur 14, donc on lâche pas. Il en reste deux. Ma mère, ça sûrement. Fait que c'est ça, on lâche pas. Fait qu'on peut toujours pas aller marcher. J'ai assez hâte d'aller marcher dans les rues. Là. C'est ça que je trouve le plus dur. Comme je dis, là, de pas sortir. C'est vraiment de marcher. Je vois plein de stories. J'essaie de pas m'écouter trop le jour, justement. Là, pour pas culpabiliser là, tout le monde qui patine, tout le monde qui va faire de la raquette, du ski de fond dehors, dans le bois. Là. Puis moi, je suis pognée entre quatre murs. Là. Oh là là, c'est tough. Puis le pourquoi je sors plus dehors dans ma cour, là, je pourrais. C'est juste parce que mon chien, comme il est blessé, si on veut, tu sais, je veux pas le sortir pour rien, puis je veux pas y faire de la peine. Je sais que ça va y faire de la peine de pas sortir, puis que moi je suis dehors, mettons. Puis tu sais, je pourrais pas me cacher, je peux juste rester sur mon terrain. Fait que, tu sais, on a comme coupé les activités extérieures, là. C'est sûr que, de toute façon, les plus belles journées, je suis sortie dehors, là. Fait que j'en manque pas des full belles. Mais c'est pour ça que je sors moins, là, juste pour pas faire de la peine à mon chien, pauvre petit. Il a tellement mal encore, là. Il se liche. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il se liche, mais... Je suis pas là à le regarder à longueur de journée, là. Fait qu'il va se cacher. Fait que là, le temps que je réalise qu'il est caché, ben, il s'est liché pendant un an. Fait que faut que je m'empêche de faire ça, mais... Les médicaments, à date, ça marche pas fort, mais ça fait juste deux jours. Là. Je vais laisser une chance, là. Mais il file toujours ma salade là. T'sais, hier, il a apporté sa nourriture sur son coussin. Il a mangé sur son coussin puis il dort là comme jamais. Là. Déjà que mon chien, un bouvier bernois, là, t'sais, ça bouge pas fort, là, ça fait rien que dormir. Là. Ben là, c'est next level. Il dort tout le temps. Puis comme vraiment patate, là, genre vraiment mou. Des fois je pense qu'il est mort. Là. En tout cas. Bon dimanche! J'ai couetté. Elle s'est réveillée tout écoutée, ma chérie. Eva, est-ce que tu dis... T'as ta 6. Est-ce que tu dis papa? Papa. Dis papa. Est-ce que tu le dis? Papa. 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 T'es dans les bras de papa. Papa. Papa! 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 Est-ce que tu dis papa?
Écoute, ce que tantôt, on lui a demandé de dire papa, puis elle a dit paga. Et qu'elle avait de dire papa. J'ai failli pleurer. Papa. Papa. C'est qui ça? Oh. Bon, je vais aller m'habiller. T'as la sauce? Est-ce que tu me donnes un bec? Mouah. C'est toi! Ah! Ah! Papa. 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 Est-ce que tu dis papa? Papa. Papa. Officiellement terminé! Yes! Fait que j'ai. Wouh, c'est vrai qu'il fait long! Allumer la lumière. Ouais, j'ai fini mon site. Je suis vraiment, vraiment contente. Ça m'a pris 3-4 jours. Ouais. Mais je suis vraiment contente du résultat. Puis, c'est ça, ça. Oh, t'es là, toi? Mon chien est là. Bah, très chic. mais c'est ça, je suis vraiment fière du travail que j'ai fait. Fait que j'espère que mes clientes vont être contentes. Mais à date, je l'ai affiché sur Facebook, Instagram, puis c'est super positif. Fait que je suis très, très satisfaite. Fait qu'à partir de demain, je vais pouvoir me reposer un petit peu parce que honnêtement, ma tête est un peu légèrement fatiguée. là, je venais vérifier. Ouais, non, il en manquait un peu. J'ai vérifié si le linge à Eva était sec pour mettre le mien, mais pas tout à fait. Fait que je vais remonter en haut. C'est tout ce que je venais faire. Ouh, je vais vous étourdir. Fait que c'est ça. Fait qu'encore une fois, j'ai travaillé toute l'après-midi. C'est poche, hein. J'avais vraiment rien à montrer. puis sinon, à ce soir, ben, on se fait un souper tartare. Fait que je vais vous montrer, nous, c'est quoi notre... notre recette préf de tartare au saumon. Puis à part de ça, je pense que c'est la première de Big Brother à nouveau. Fait qu'on va sûrement écouter ça. Puis c'est ça. On n'a pas grand chose d'autre à dire ou à rajouter. Là, je vais importer mes clips ce soir pour voir quel genre de contenu que j'ai là. Belle-Aise, tu viens-tu? Viens-t'en mon bébé! Belle-Aise, viens-t'en! 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 Allô!
prochain. Il file toujours pas. Hein. J'ai hâte de qu'il retrouve un peu de vitalité là. Pauvre lui. Hein? Quand il est caché en bas, là, ça veut dire qu'il est vraiment tanné d'entendre du bruit et qu'il veut la paix. Ouh. Bon, il est temps, c'est assez. C'est quoi ta recette de tartare? C'est plein de choses mélangées ensemble. Du sauce à café. Non, c'est suffisant de cidre de pomme. Vient de cidre, et non de pomme. Vient de cidre. Après, si on met la, au lieu de mettre des cornichons, nous autres, on met de la reliche. Ça marche. On fait un tartare classique, premièrement. On met pas les cornichons, donc. On met de la reliche. Mais on aime ça dans les tartares. Ouais. Fait qu'on fait la recette classique, mais. J'aime aussi notre autre recette là, avec les fraises. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Moi, j'aime moins ça, je suis content. Ouais. Mathieu, il change de goût aux 2 mois. Donc, il ajoute la reliche. Un peu de mayo. Ah, moutarde de Dijon. À l'ancienne. À l'ancienne, excusez. On voit pas. Ça, c'est bruit. Ah, on voit pas. Ensuite, on a la moutarde de Dijon. Puis de la mayo. Oh, ok. Sriracha. Sambal oelek. Ouais. Fait que vinaigre de cidre, reliche, moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon, sambal oelek, sriracha, mayo. Sel poivre, puis oignon français. Échalote française. Ouais. Oignon vert, plus tard. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on va faire nos croutons salés, là. Ouais. Tu sais, avec le sel puis le beurre, genre. Comme l'autre fois, là. Ouais, c'est des épices secrètes. Ouais, ça, c'est vraiment des épices secrètes. On n'a pas le droit de le dire. Non, c'est pas vrai. C'est. Les épices secrètes proviennent de Whole Orchard. c'est ça ici. C'est du sel. Dans le fond, avec des herbes dedans. Puis, je sais pas c'est quoi qu'il y a. Ah, c'est de l'oignon déshydraté. Herb and spice. Ouais. Ah, pis de l'ail. Donc, en tout cas, ça fait full bon. Puis on met ça sur nos pains avec du beurre. Puis ça donne les meilleurs croutons de la terre. Fait que si jamais les lignes rouvrent, puis qu'on va pouvoir aller à Whole Orchard un jour, ben, je vous conseille ces petits sels-là. C'est full bon. Puis Eva, elle mange un macaroni avec de l'agneau. Puis il y avait du brocoli, mais elle a tout mangé. Hein? Kiki, bon? Hein? Résultat du tartare. Puis on écoute Big Brother. Fait que. Big Bro! Beau samedi soir. Samedi, on est dimanche. Je suis mêlée.